Je disais aux gens et à ma propre famille que lorsqu'on construit une maison, on la veut formidable. Aurions-nous pu ajouter quelques pieds carrés? Les vernis auraient-ils pu être un peu plus épais? Les tapis un peu plus douillets? Bien sûr. Mais les demeures que nous avons bâties ont été de merveilleux logis pour nos familles. Nous les avons aimées et nous continuons de les aimer. Il en va de même pour le centre, il sera énorme. Quiconque passe devant en voiture a du mal à le croire. Il s'agit d'un énorme tour de force et il sera magnifique, ayant été dessiné par un des plus importants cabinets d'architectes au monde et canadien en plus, Diamond Schmidt, et étant construit par un formidable entrepreneur général, également canadien, et des ouvriers syndiqués extraordinairement travaillants. Il sera diversifié et créatif, baigné de lumière naturelle et, je le répète, énorme. Et il accueillera notre collection entière. Alors, aux gens qui disent qu'il aurait pu être un peu plus grand, je dis oui. Il pourrait être plus grand et il le sera probablement un jour. Et peut-être qu'il rejoindra le boulevard Saint-Laurent. Il sera situé dans un merveilleux espace, un parc. Un parc de l'innovation qui deviendra une vitrine pour tous les Canadiens et surtout pour les gens des environs, puisque, au bout du compte, nous faisons partie de ce voisinage.